Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui potentiellement vont arriver. Alors aujourd'hui, comme prévu et comme il est écrit dans le titre, voilà, j'ai un aperçu, le camion. Donc c'est un modeur tout simplement qui a fait cette peinture là et qui est un combo, c'est à dire que la remorque aussi qu'on verra tout à l'heure va avec, en fait, tout simplement. Et donc c'est écrit sur la cabine du camion CBR et 3X, si je me trompe pas, XNR, non quand même pas, j'espère pas, je regardais sur le jeu. CBR XXX, c'est bon. Je me suis pas trompé. Et apparemment, Swedish Power. Soit c'est une entreprise qui est en Suède. Soit. Je sais pas, elle voulait intégrer ça comme ça. Comme une sorte de forme de lightbox ou quelque chose. Voilà.
Et puis il a même intégré le nom des derniers modèles qui viennent de sortir, les Scania Super, qu'il a mis sur la grille. Voilà. Donc, franchement, là, je l'ai trouvé avec plein de fonds. Puis j'ai reproduit quasi à l'identique, hein, à part, vous voyez, là, il y a l'aigle, là. Ça, c'est la petite touche lumière de nuit qui apparaît. Mais sinon, je trouvais vraiment ça très, très joli. L'effet qu'il a voulu donner, l'effet 3D du logo de Scania. Voilà. Donc, hop, et ben, on va commencer, hein. L'Ukraine. Ah d'accord, bravo. On commence bien avec une photo de l'Ukraine. Allez, vite, vite, dégage l'Ukraine là. Du balai. Voilà. Donc normalement, on doit être. Je pense qu'on est à Orléans. Est-ce que le concessionnaire. Ah non, même pas. Ah non. Ah oui, je suis déjà à Palerme. Oui. C'est vrai que la remorque se trouvait à Palerme. Et c'est mis automatiquement là-bas. Et donc le camion, pareil. Donc on est sur le bout de la Sicile. Par contre, il faut que j'accroche les deux, à moins que ce soit déjà fait, mais je crois pas, parce que là. Alors, Palerme, Palerme. Ah, j'en ai deux. Alors, ça doit être celle-là. Voilà. Utiliser. Forcément, ça devrait s'accrocher. Voilà. Et je vérifie tout de suite que le. Que je suis bien dans le camion. Voilà, c'est tout bon. Ok. Sélectionner. Non, mais c'est bon. Ok, allez. Valider. Bon, bah, sans plus tarder, on va rouler. On va rouler. Alors, marché du travail, offre de fret. Voilà, allons-y doucement avec la carte parce que, comme j'ai beaucoup de mode, le zoom, si je zoome trop vite, ça crache. En gros, vous voyez, actuellement, il faudrait déjà que. J'ai fait mon PC, je me suis rendu compte hier, ça fait déjà 2 ans et demi que mon ordinateur est refait. Et déjà, les pièces sont complètement pas dépassées. Mais quand je vois les prix actuels des nouvelles pièces, des cartes graphiques, tout ça, je dis, mais je suis dégoûté, dégoûté. Mais bon, ça c'est avec l'arrivée de la série RTX 4000 au mois de juillet. Donc déjà là, boum, les cartes mères en prennent un bon coup. Et puis, enfin les cartes graphiques, voilà. Et les cartes mères, pareil, hein, c'est. Ça descend les prix. J'ai vu des choses hier que si j'avais l'argent tout de suite, j'aurais acheté. Bref, on n'est pas là pour parler d'informatique, mais de livraison. Alors, sans plus attendre, ben on va regarder, hein. Espagne. Hein, pour être. Traverser un petit coup. J'aurais voulu plus traverser vers de l'autre côté cette fois parce que l'autre fois on avait fait l'Espagne. Puis bon, à force de l'Espagne, il n'y a rien de. Donc il faudrait plutôt que je remonte par là. Naples. Que je redescende en Grèce. Remonter un petit peu là.
et qu'on puisse passer par exemple par Chypre. Ou alors carrément trouver quelque chose pour la Géorgie. Bastia. Hein? Vous allez faire un tour en Corse? Pourquoi pas, on remonte toute la Sardaigne. Et on monte en Corse. En espérant qu'il n'y ait pas de manifestation. Ça risque pas d'arriver dans le jeu, mais bon. Voilà, déjà rien que ça. Hop. Je vais regarder tout de suite. Ouais, j'avais pas fait les réglages. On va les faire ensemble. C'est pas celui-là qu'il faut faire en premier, c'est là. En plus, c'est. Voilà, 80, il faut 90. On remonte le volant au maximum. Enfin, le tire vers soi. Et on le descend. Voilà. Ça, c'est tout bon. Là, les rétros maintenant. Le grand angle. Le grand angle. Hop, je le vois. Il faut aller. On voit plus que la semi-remorque. À force de l'habitude de m'entendre dire ça. Là, on voit un bout de cabine. Donc, on a encore le logo. C'est bon. L'avant, je sais pas. Ouais. Ça, c'est un peu dommage. C'est que l'avant. Pour avoir l'avance à la caméra et bon là elle est bien réglée donc pas de problème et le reste j'en ai pas besoin parce que j'ai pas de trakir. Par contre apparemment le camion a déjà besoin de faire dodo. Super. Je prends quelque chose pour Bastia et il faut déjà aller faire dodo quoique Palerme je ferai. Je ferai la pause dans le bateau. En même temps, il me reste pour rouler là. Deux, ouais, 3 heures. J'ai largement le temps d'atteindre le point de livraison. Moi, j'ai 4 km à faire et après, on embarque dans le ferry et puis c'est bon. Bon carburant, tout est plein, c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à démarrer. Contact. On démarre. Bon, il fait très peu de bruit ou c'est moi qui ai mon casque très bas? Ah oui, c'est moi qui ai mon casque très bas. Bon, j'espère que il y a quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression que là la musique est plus forte. Juste. Alors F1 pour pas bouger le temps. Hop, hop. J'ai dû écouter de la musique dernièrement, donc du coup le mixage. Là, là. Ça n'a pas 2 secondes. Oui, il est déjà très bas, donc ça vient plutôt de là. Voilà. Oh. Un petit fond de musique quand même, voilà. Et ben c'est bon. On est parti, on enlève le F1. Et on y go, on prend la route. J'espère que vous avez tous bien, que vous avez eu du soleil. C'est pour ceux qui ont de la pluie, bah. Pas démoralisé, le soleil va arriver dans peu de temps. Crois d'ailleurs que j'avais un essieu qui se relevait, voilà. Même pas regarder s'il y avait un tramway.
Ah. Ça se peut d'avoir joué à un autre jeu hier. Je fais pas attention à la vitesse. Ça change. 30 km/h de passer de pratiquement 300 km/h avec projecteur à 30 km/h pour le camion. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Ça fait vraiment bizarre. Et hier, en plus, j'ai joué à un autre jeu qui devrait pas tarder à arriver là. Vous allez pouvoir voir, faut juste que je prenne l'habitude des commandes parce qu'il y en a dans tous les sens. Et c'est pas vraiment évident non plus. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Mais ce sera pareil sur le principe de la conduite. Et je vous en dis pas plus. Alors, faut que j'aille à gauche, je me disais bien. Ah, on va prendre Ah, d'accord, on la prend, ouais. Bah, c'est bien comme ça. On va gagner quelques heures de fret. Donc on a les palettes, voilà. Alors, c'est ici. Ah, génial. Entre deux semis. Réinitialisation de la vue. On est bon. J'oublie ça. Pas bien. Voilà. Ben, on n'entend pas le bip. Ah non. Oh, le bip a encore disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on va tâcher. Il va falloir que je change. J'ai vu que il était sorti un mode depuis un petit moment. J'ai vu ça chez un de nos confrères streamer. On pouvait avoir, au lieu que ça clignote comme ça, on pouvait avoir les lignes comme on voit là d'emplacement, que je trouve beaucoup plus réaliste en fait. Allez, j'arrête de tourner volant parce que ça s'appelle l'auto-école et qu'on ne sait pas manier un camion. Plus on tourne le volant dans tous les sens, plus on a de chance de. Voilà. Là, c'est bon, j'en reviens doucement, aligné, et voilà. Ça marche. On charge. Juste une petite chose. Je demande 2 petites secondes, je vérifie quelque chose de très important. C'est bon. C'est bon. C'est fait. Ça, il n'y aura pas de soucis. Enlever les warnings. On va
ça marche en automatique. Et on y go. Et on va déjà mettre notre clignotant, de toute façon. On a combien de tonnes, vous faites? 18 tonnes. Ah, donc c'est normal, les cieux descendus automatiquement. Attention, le gling-gling là. Là c'est bon. C'est vrai, j'ai pas mis de lame en bas. Voilà. Prendre par couper. Hop. Alors nous allons. Ouais, ici. On a 12 heures. Ah, impeccable. Comme ça, on récupère les 9 heures. Hop. Pendant ce temps-là, une seconde, je bois un éperlgan parce que j'ai. Je sais pas pourquoi, il fait chaud là. Ok. Hop. L'avantage de la boîte auto, c'est que je peux déjà avancer alors que je suis ni mon verre. Allez, on est parti. Ah bah j'étais tout seul, tout le monde est déjà. Tous les camions sont déjà descendus. Et on voit d'ailleurs ce qui donne la nuit, je l'ai pas encore vu, c'est la première fois, hein. C'est ses premiers kilomètres. Je le fais essentiellement pour le live, hein. Donc bah, franchement il a l'air quand même pas mal, hein. Il a l'air quand même pas mal comme camion là. J'ai même pas fait attention, il y a de la lumière dans les roues. Ah, c'est juste l'arrière qui est tellement. Ah oui, voilà. D'accord. Ah, puis là aussi. Derrière, ça vient au niveau des échappements, ça vient. Alors. Et si on recule? Ça se met en blanc. Ah oui, yes! Magnifique! C'est une très bonne aide. Donc, ça c'est. Voilà. Quand on met le contact. Enfin, contact, oui. Là, ça c'est quand on roule. Et plein phare. Impeccable. C'est pas beau. Allez, on est parti. Allons livrer. Voilà. Et le blam blam. Ouf, le feu. Allez, c'est passé. Allez, pour ceux qui ne sont pas présents là actuellement, n'oubliez pas que il y a la rediffusion sur YouTube
et maintenant ça y est, j'ai tout mis en place pour que ce soit disponible. Par contre, je me suis aperçu que la qualité vidéo est une catastrophe. Donc j'espère que à partir de cette fois-ci ça pourra beaucoup mieux marcher. C'est vrai que l'autre fois, j'ai trouvé que l'exportation de la vidéo était très rapide. Normalement, quand on est en 1080, ça met un peu plus de temps. Mais là, alors quand j'ai vu que c'était en 60 pixels, là, j'ai aïe aïe aïe. Ça va être une catastrophe et il n'y a personne qui va vouloir regarder parce que l'image est complètement catastrophique et ça a pas loupé, il n'y a pas grand monde qui a regardé. Donc j'étais plutôt dégoûté moi-même. Donc faut que je repasse tout mon réglage et là j'espère cette fois que ça pourra marcher correctement. Parce que maintenant depuis si j'avais pu, j'aurais fait les deux streams en même temps sur les deux plateformes, mais maintenant Twitch nous l'a interdit. On peut plus faire. Il fallait que ce soit la nuit, malheureusement. Une fois de plus. Mercredi à 15h43. On est lundi 22h19 et il nous prévoit une arrivée à mardi 7h13. J'ai une petite journée. Si je voulais, je pourrais faire une pause maintenant. Si bien sûr le jeu l'accepte. Qu'on tombe dans la journée, ce serait quand même plus sympa parce qu'à force, hein, je m'aperçois qu'on roule tout le temps la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, et on voit pas, on peut pas profiter du paysage. C'est franchement dommage. Donc dès que je vois une aire de repos, je vais m'arrêter. D'air de repos pour l'instant et apparemment il n'y en a pas beaucoup là qui puissent arriver. De toute façon on risque de tomber
que sur des petites aires de repos. Là, c'est dommage, on pourrait s'arrêter là. Mais c'est plutôt des arrêts d'urgence. Monsieur. Ou madame. Ils ont fait ralentir pour quasiment rien. C'est sympa. Ah bah maintenant 40. Toujours mieux. Et néanmoins retaper à 80, c'est ça? Et voilà. On se voit qu'on est sur les îles là. La Sardaigne et puis la Corse et tout. Parce que là, c'est pas une autoroute, c'est une nationale. Deux fois deux voies, ouais. Bien qu'il y ait une glissière au milieu. On pourrait croire que c'est une autoroute, mais... Ah. Ce que j'ai vu... Reste une aire de repos. Il y en a. Mais par contre, vous sortir. Ah, je me suis fait avoir. J'ai cru que la sortie était là, mais non. Voilà. À 100 mètres. Hop. On va prendre ce luxe. Voilà. Apparemment, c'est moi qui ai la priorité. Ah, une station. Alors là, pour rentrer dans l'autre côté. Attention, une station solaire. S'arrêter du... D'accord. Ah, il y a même... D'accord, c'est pour les...
Les éventuels camions électriques. Ok. Train de part. Hop. On coupe les phares. Ah ben voilà, on va pouvoir profiter du paysage. Quand même beaucoup plus sympa. Ah, je peux pas zoomer plus. Oh, c'est un montagneux rocheux là. Il y a eu un carton. Bon. Là. Il fait très peu de bruit, camion, c'est bizarre ça. Pourtant 770 avec des échappements quasi libres. Voyons voir, pourtant dans les options audio. Les échappements, on va les mettre un peu plus fort. Dommage que ça prend, on entendra moins le turbo, mais bon. Le GPS, s'il vous plaît. Là. Ah, il fait ce bruit-là, d'accord. Eh, vas-y, vas-y, passe. Vas-y. Il faut que je freine avant, en fait. Oh, la texture, mon Dieu. Il a pas de peinture. Je vois pas là, y a quelqu'un là? C'est rare. Une Porsche, ok. Ah. Une sorte de TGV italien. Oh, bah la route est bien bossée là.
moi je roule complètement en dehors des clous. Ça ne va pas. J'ai encore mes lumières, c'est ça? Mais non, mon coco, je peux pas y aller, c'est rouge. Ah, mais en plus, ce camion, il est. D'accord. Il est bloqué dans le sol. Oh, génial. Ah, bah, il a trouvé le moyen d'aller taper dans le. Dans le quart de tourisme. Eh ben, puis c'est vrai, ils peuvent pas y aller. Je vais essayer de voir si je peux éventuellement. Ouah. Non. Le fait de passer à côté des accidents comme ça. Ça fait un petit peu paniquer le jeu. C'est qu'il y a un sacré ferry là, purée. Ah, il y en a un qui vient de partir en plus. Ah, Stena Line, bah ça c'est typiquement pour la Corse. Et B, et encore un. Ah ben en plus il va être pour moi. Non, même pas. Par contre la voiture noire, tu me facilites pas le boulot. Ah, c'est une Subaru. J'ai des ronds-points là. Ah, ça, là, ça y va à gogo là. Tous les 50 mètres, un rond-point. Eh ben, si ben, le ferry va être pour moi. Wow. On va prendre le risque de casser le camion quand même dès le début. Voilà. Bon. Ah mais il y en a partout des ferries là.
Allez, nous allons rejoindre l'île de beauté. Plus couramment appelée. Salut Chris, excuse-moi de ne pas avoir répondu tout de suite. Là, j'étais en train de conduire en l'air. En vue aérienne. Pas évident, évident, avec tous ces ronds-points là. Comment ça va? Depuis hier. Super un week-end. Ah, d'accord. Bah, tant mieux pour toi. Hein. Du moins que ça se passe bien, que tu sois content. J'espère que tu as du soleil. Moi ça va, j'ai du soleil et même il fait un peu chaud, je trouve pas enfin, un peu chaud. J'ai chaud. Alors est-ce que c'est moi tout seul ou je sais pas mais. Alors. Enlever les feux, hop. T'as pas vu le camion, et voilà. La fameuse bébête. En pleine lumière, voilà. Ouais, et bah c'est écrit CBRXXX qui a fait ce modèle. Et en plus de ça, pour une fois, c'est. Comment dire? C'est un combo quoi, c'est camion. Et semi que la personne a faite, franchement, il est magnifique. J'en ai encore plein d'autres comme ça. Faudrait absolument que je te donne, tu seras content. Mais par contre, le seul truc, c'est que le camion. Le Scania T n'ira pas, marchera pas avec. Mais j'ai trouvé, je suis tombé comme ça par hasard sur un site de mode où justement il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de. Enfin, des tonnes, j'en rajoute un peu là. Mais bon, pour dire qu'il y a vraiment des. Des beaux skins comme ça. Éthique clignotant, c'est quoi le nom du mode? Là derrière, là, ou les fameux clignotants modernes de chez Audi, là. Comme ça, là. C'est des blinkers. Je donnerai le site aussi, le mode. Ça, c'est pas le mode et en plus comment il fonctionne parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à faire. Ouais. Je suis pas très bien placé, moi. Moi, je suis sûr de pas être embêté par ceux qui sont derrière. Parce qu'ils font à la fois ils font à la fois clignotant. On peut mettre que les clignotants. Donc par contre à l'arrière ça marche pas, c'est que pour le camion hein, que ça concerne. Que sur l'avant du camion. Et après, il y a aussi les fameuses paupières. Ah, je vais devoir aller sur la gauche. Voilà les fameuses paupières là, blanches là.
Alors, je suis bête, mais je vais bloquer une voiture, quoi. Puis c'est que j'ai aussi la fameuse caméra intérieure. Où je vois, comme ça, j'ai plus de rétroviseur avant là. C'est par la caméra. Alors, je peux enlever le F2 là, là et là. Et on pourra hop, enlever à nouveau. Voilà. Si tu veux, tu peux venir dans le Discord à AGM, hein. Je vais rester dans le vocal. Parce que pour l'instant, lui est parti manger, donc... Oh là là, c'est pas possible! Ils veulent casser tous les murs là ou quoi? Salut France. Salut! Comment ça va? Alors tu veux casser les murs? Non, c'est que j'ai quelqu'un, il y a un artisan qui est en train de refaire un appartement apparemment. Alors toute la journée j'ai le droit au coup de marteau là. Comme s'il cassait petit bout par petit bout de mur et tu comme ça quoi. Ah oui. Carreau de carrelage, il doit tout enlever à tous les coups. C'est une horreur. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Oh, ça m'énerve. Ouais. Vivement que je change l'appart, purée, vivement. Je croise les doigts pour que le bâtiment soit fini au plus vite. Et que, au revoir celui-là. Parce que là, franchement, j'en peux plus, quoi. Hier soir, y a les chiens qui se sont mis à aboyer au-dessus, là. Ah, ouais, à minuit, c'est... Oh Oh là, j'en ai marre. là, des chiens qui ont déjà... Oh la vache. Alors je l'ai vu le chien, c'est une sorte de malinois, berger allemand malinois. Oh là, dans un Mais il est tout appartement en jeune, plus. il est tout jeune le chien, donc Bah ouais, mais le pauvre chien, ça n'a rien à faire dans un appartement. bah voilà. Bah c'est des jeunes quoi, c'est un couple de Ouais, jeunes. bon, des inconscients. L'autre fois je l'ai vu, elle l'a sorti devant moi, mais alors. Fallait voir, je pense que le chien, le jour, il sera vraiment
arriver sa taille adulte, elle pourra pas le tenir, hein. Elle va se faire entraîner, hein. Elle doit faire 1m60 à tout casser, la fille. Déjà là, comme il tirait, mais comme un malade sur la laisse, oh là là. Les chiens qui manquent de sport, quoi. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est des chiens qui ont besoin d'espace pour courir à toute vitesse et tout, donc. Non, c'est clair que moi j'ai. Bah, tu vois, je suis Ça rentré tout à l'heure. m'étonne, moi. Oui, vas-y. Je suis rentré tout à l'heure, je l'ai mis dehors le mien, et ben non, faut qu'il gueule pour rentrer, pour être avec moi, c'est fou ça. Parce que moi par contre, il me fait la misère si je le rentre pas à la maison. Ah. Il est bien que chez lui, là, en sécurité chez lui, toi. Chez moi, il gueule pas, il dit rien, il fait rien, il dort, il fait que dort. Mais par contre, si je le laisse dehors, ah là 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 là. Ah bah, à mon avis, mes voisins, ils vont en entendre parler. Enfin, je vais en entendre parler par mes voisins. Ah, justement, c'est là où je comprends Mais pas bon, moi, parce je suis pas. que. Enfin, je suis dans une maison, quoi. Je suis pas dans un Voilà, immeuble. oui, ouais. Moi, c'est une résidence, mais. L'avantage, c'est que là, il est dehors, tu vois. Je me pose la question, tu vois, s'il le laisse pas pendant la nuit, s'il le laisse pas dehors sur le balcon. Parce que le balcon, il fait 10 mètres carrés. Je me pose la question, quoi. S'il fait que, comme il doit aller se coucher certainement assez tôt, et bah, ils l'entendent même pas. S'ils sont en sommeil profond, ils l'entendent pas, quoi. Un chien, tu l'entends, hein, surtout quand c'est chez toi. Un chien, tu Oui, mais l'entends. comme il est, Entre comme lui il et est le personnage. dehors sur le balcon et qu'il y a des volets qui se ferment. Ouais, mais si toi tu l'entends, eux ils l'entendent. Ouais, moi je l'entends sans problème. Donc je pense qu'il est dans l'appart, quoi. Il est pas sur le balcon, mais de toute façon ce serait pas possible. Ce serait inhumain de le mettre sur le balcon pendant Ouais, mais l'hiver tu sais, il y a là. des gens qui n'ont pas de. Qui n'ont pas d'humanité. Hein. Ouais. Bon, joli ton skin en tout cas. Je crois que c'est celui où ça vient du workshop, mais je suis pas sûr. Je veux pas te garantir à 100% qu'il vient du workshop, mais. Où est-ce que j'ai trouvé sur ce fameux site là? C'est que ça s'appelle Speedy 143. Bah ça après le. T'as pour tous les camions, pour toutes les remorques, t'as même des remorques qu'il a fait qui sont pas dans le jeu. Il y en a une que je montrerai dans pas longtemps. Où je regarde déjà si elle passe vraiment bien dans le jeu ou pas. Le bruit de moteur, c'est un mode aussi? Oui, mais c'est le bruit classique. Là, c'est parce que j'ai des échappements particuliers, quoi, qui sont droits, c'est en sortie droit. Et qui. Je pense que le bruit doit s'adapter au camion, je sais pas. Mais j'ai un mode son pour le. Donc. Oui, parce que l'autre ne marchait plus. Hein. Il Moi était j'en ai un là qui plus. marche bien, qui me plaît là. Ben moi, je suis tombé sur celui-là et c'est bien parce que il est vraiment réaliste et le gars, apparemment, il est dit, il a enregistré le camion, quoi, sous toutes ses coutures, donc. Voilà quoi. Et celui-là c'est bien parce que quand voilà, là on l'entend plus.
On l'entend très peu quand j'accélère, puis si je, voilà, là, si je mets pied au plancher, hop, tout de suite, on sent que... Ouais, bah c'est peut-être le même que le mien, c'est un version 5 ou je sais pas quoi là. Alors là, aucune idée. C'est juste que l'auteur, je crois, c'est Max quelque chose. Bah je sais plus comment il s'appelle. Je regarderai quand je vais arriver. J'ai plus beaucoup de kilomètres, 8 km, je vais le montrer. Si j'accélère moins vite, il va faire un bruit moins, voilà, plus souple, plus, voilà. Ah, tes clignotants, on les voit vachement bien. Moi, je trouve que sur les Scania comme ça, avec ces feux-là, on les voit mal, les clignotants. À l'avant, là, on les voit très très mal. Avec moi, justement, il y a trois trucs, enfin Ah, du moins ceux de trois. l'avant, on les voit mal. D'origine, on les voit mal. Mais moi, Normalement, ça c'est. éclaire, mais à mort. Hein. Normalement, ça éclaire à mort, enfin, là, sur les vrais camions. Quand ils te mettent les warnings, laisse tomber comment que ça éclaire. Voilà, bon. Mais il y a ça, il y a le fait qu'il y a donc les clignotants qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a les paupières, petit truc, ça s'appelle les paupières. Et en plus de ça, il y a une en bas, en dessous du feu, tu sais, t'as une petite ligne. Ouais. Et bah, on peut la changer de couleur. Ah ouais? T'as plein de couleurs. T'en as, je sais plus, moins 5-6 couleurs qui sont proposées. Ah d'accord. Ah ouais. Violet, orange. Tiens, j'en profite, je suis pas loin, je suis à 1 km. Hop, je vais agrandir le garage. Bon, YouTube, voilà, il m'énerve parce qu'à chaque fois la musique, il me la coupe maintenant. Ouais, c'était quoi tout à l'heure là le ton porteur là qui était la remorque du porteur qui était dans le sol là? Hop, c'est parce qu'il est rentré dans le. Il a fait accident avec le car de tourisme en face qui était devant lui. Et du Ouais, coup, la remorque, c'est normal, c'est pas normal qu'elle aille dans le sol la remorque? sa remorque elle est rentrée ploum. Chaque fois qu'elle est comme ça, tout ce qui est IA plonge à l'intérieur. Pourquoi? Je Ah ouais. n'en sais rien du tout. C'est défaut parce que il y a du mode quoi. Je pense que du fait c'est des modes hein, tout ça donc ouais que je lui dise à Jazzy Cat qu'il y a un problème quoi. Il y a un problème avec les. Avec les modes trafic, mode camion, tandem, lié au tandem aussi. Parce que c'est deux choses qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Le fait que j'ai les modes tandem, et bah ça vient se rajouter sur le mode trafic. Donc j'ai droit à avoir des camions tandem qui arrivent quoi. Hop là. Allez. Voilà. J'ai pas besoin d'XP, moi je cherche à en perdre. Alors, pour te montrer,
Là, ici. Je vais le faire en 2 secondes. Je vais déjà valider la musique. Comme ça, je suis tranquille pour un petit moment. Hop, là, voilà. Mais les paupières, on n'est pas obligé de les mettre. Non, non. Hein? C'est. Comment dire? C'est deux. Voilà. Ça s'appelle séquentiel. Turn signal Signal mode. mode. Ok. Voilà. Et c'est même dans le workshop. Ah, c'est dans le workshop. Ouais. Bah, j'ai beaucoup de choses dans le workshop, dont la caméra, tu vois, la fameuse caméra. Ouais. C'est aussi workshop. Ok. J'essaie maintenant de trouver un maximum sur le workshop. C'est au moins, je suis sûr que je peux regarder si c'est mis à jour ou pas. Et puis, bah, au moins, je suis un peu plus sûr au niveau de la fiabilité si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Et donc, tu vois là le. La fameuse remorque, j'ai été obligé d'enlever, d'aller chercher la mise à jour. S'il y a une mise à jour, je sais même plus où elle est. Je dois voir l'autre modèle quelque part. Je sais même Bah pas où. moi, ouais, c'est bizarre. Et toi, j'ai des peintures là. La seule chose, c'est qu'il faut que je respecte en fait le camion, comment il est fait, pour que la peinture vienne bien s'appliquer. Ouais. Donc là, il faudra que je passe un camion en 6 en 6-4 là. C'est comme celui que je viens de faire là. C'est un 4-2 tout simplement. Voilà. Maintenant, il s'appelle le Tuning Pack Trailer Slot. Et il est lié. Alors là, par contre. Ah, bah tiens, ça me permet de virer ça. Hop. Ah, parce que moi j'en ai. J'avais le tuning pack que j'avais téléchargé. J'en avais deux. Il y avait donc le tuning pack trailer et le tuning pack. L'autre c'est un. Vas-y, descends pour voir. C'était comment toi celui qui marche plus là? C'est celui bah, Tu qui est l'as plus à désactivé jour quoi. celui-ci là? Et voilà. Tuning pack trailer slot. C'est le même hein. C'est Ouais. exactement le même modeur hein. Sauf que ça a été mis à jour. Mais dans le pack que j'ai téléchargé, moi j'en avais deux. Il y avait lui pour donc le Ouais. trailer, Et il y avait puis pour pour la les remorque camions. et le camion. Ouais, Et le le truck, camion. ouais. Et bah le camion, voilà. Donc, mais par contre, ça a été mis à jour pour avoir encore plus de possibilités de lumière et autres. Tu l'as pas le camion, non? Si je dois l'avoir, mais je sais plus où. Là, tu vois, le fameux. Il est là. Donc, il me reste tout ça à faire. Alors. Bah voilà la fameuse remorque que je vous Ouais. parlais. Ça, c'est une remorque pour produits chimiques. Et bah je l'ai pas, il est où? Bon, ça, c'est ce que j'ai payé, tu vois, à 6 euros là. Ouais. Je sais plus où il est. À moins qu'il soit compris dedans. Alors, tuning pack trailer. Ah, c'est que pour les trailers. Hein. Regarde, c'est Krone. Je sais pas. En même temps,
Parce que le fait d'avoir tous les camions là Tu ici, vois dans là, l'information la version que c'est? celui-là. Hein? Ah non, Dans le le truc nouveau là, tuning pack trailer, ouais. c'est un 43. Alors, hop, toi, un 43. Ah ouais. C'est pour ça. L'autre, il était en 1,40, je crois. Ou Ouais, mais il fonctionnait quand 41. même. Enfin, moi je sais qu'il Ouais, fonctionne. parce qu'il n'est pas très lourd. Parce que c'est juste une application de peinture dessus. Et généralement, la plupart du temps, comme je dis très souvent, les peintures ne pèsent pas lourd. C'est quelques mégas à peine, quoi, maximum. Ce qui fait que le jeu arrive. C'est sûr qu'il faut pas prendre un truc qui est du 1,38 alors qu'on est en 1,43. Parce que là, vous êtes sûr que ça passera pas. Mais si par exemple vous avez du Là, il passait, il 1,40, faisait combien celui-ci là? Celui-ci là que t'as pas mis, j'ai vu. 1,41. 1,41, ouais. Mais tu vois, t'as pas grand-chose. T'as pas grand-chose. Avec là, l'autre, il en a rajouté quasiment le double, hein. Ouais. Donc c'est pour ça, hein. En même temps, c'est toujours comme ça. De toute façon, il s'adapte au jeu. Voilà. Bon, c'est dommage, celui-là ne fonctionne plus non plus. Faut que je regarde la version, mais si toutefois je retrouve. Mais j'ai même pas de nom. Ah si, l'auteur est là, faudrait que je regarde. Est-ce qu'il a fait une mise à jour? Parce que j'ai voulu reproduire, j'ai trouvé, j'ai mis du temps à trouver la bonne. Bah j'ai en vrai, non, bah, je l'ai enlevé forcément. J'avais trouvé une super belle peinture d'un camion qui existe réellement et la personne, elle fait tous les avec son camion réel en IRL, tous les salons, les choses comme ça, tous les rassemblements de camions, il les fait systématiquement. Et ça, c'est grâce à la personne que je regarde, qui s'appelle Trucker Cassie, qui est suédoise et qui a son Ah ouais. fameux camion suédois là. Donc bah tout ce qui est voilà, ça c'est typiquement Suède. Les équerries. C'est-à-dire qu'ils ouvrent que d'un côté en porte-papillon. Porte-papillon avec l'aileron. Maintenant j'ai cette option-là, l'aileron qui peut se lever. C'est génial ça. Hey, il le monte très haut là. Hein. Par contre, le problème, c'est que tu vois, ça vient se mettre en conflit de faire un équerri avec que des portes qui s'ouvrent que d'un côté. Ça vient se mettre en conflit avec lui. Ce qui fait que, bah, malheureusement, le camion, lui, il aura une certaine hauteur au niveau de son porteur. Ouais. Niveau de la caisse et l'autre derrière, si je veux mettre une flèche avec deux ou trois ou quatre essieux, peu importe, n'importe quelle configuration, mais avec une flèche, il me sera proposé que des trucs qui sont en dessous, plus petits. Allez. Sinon, si je prends plus grand pour mettre les deux à la même hauteur, c'est obligatoirement sur Dolly. Ouais, ok. Alors bon, je suis un peu dégoûté parce que j'avais dit que je remettrais au goût du jour, voilà. Mais bon. Donc, vous voyez là, 1,42, pourtant là il est très lourd, hein. C'est les fameuses lumières et tout. Toutes les lumières possibles. Avec les fameuses aussi lumières sur les côtés, enfin bon.
plein de petits, tout un pack énorme. Et pourtant, ça date de 1.40. Il y a une mise à jour 1.42 qui est bien écrite là. On peut même regarder. Et même 1.43. Voilà. Et la version a été faite le 17 octobre 2021. Donc ça veut dire que depuis le mois d'octobre, on est sur la 1.43 et que c'est pour ça qu'on a le droit à toutes les mises à jour inimaginables et possibles. Donc voilà. Les photos qu'il a fait de son camion, quoi. Et ça marche sur tous les camions, toutes les marques de camions. C'est-à-dire que le Beacon, c'est les feux. Bulbar, c'est ah, je pense que tout le monde sait, c'est les pare-chocs bien particuliers qui sont éclairés. Lampe, bah, tout ce qui est lampe, c'est plutôt ça, je pense. Light bar, c'est les lumières qu'on vient mettre sur les pare-buffles. L'eau grille, ah, c'est toutes les petites LED là. Les main mirror, ah oui, c'est pour avoir le. Ça vous propose d'avoir un rappel de clignotant sur le rétroviseur, mais par contre il sera en plastique. Small light, c'est pour les lumières en fait qui sont toutes petites, c'est-à-dire que c'est un point, un petit point lumineux, comme là on voit, comme moi j'ai mis. J'ai un peu fait un mix de tout. Sun visor, le soleil visuel. Je pense qu'il doit y avoir une. Ah oui, ça doit être les comment? Ah, comment? Bah, le sun visor, c'est ce qu'on met sur les portes là, qui font une sorte de cache, quelque chose comme ça. Je crois que c'est peut-être ça. Non, bah non, c'est ça. C'est la visière au-dessus qui est de couleur. Il y en a deux différentes. Et plein d'autres options, accessoires, voilà. Ouais. Ils vont être mis sur le côté. Enfin bon. Oh, c'est bizarre, je retrouve pas le Tuning All Pack Package que ça s'appelait avec les slots là. Ah, Là, le j'en retrouve la truc. 1.42. Celui-ci là qui est additionnel de l'autre que j'ai mis moi, celui-là là, parce qu'il n'est pas dans mon workshop. Hein. Non, je sais. Ça, je l'ai déjà. Tuning All Truck Package 1.43. Ce sera pareil que l'autre, mais mis à jour. Et il a rajouté, bah quoi que non, tu as les fameuses. Ah bah tu vois, je la trouve pas, moi, c'est bizarre. Faut taper sur Google quand c'est comme ça. Faut pas aller dans les sites ETS2, tous ces trucs-là. Ouais. Faut directement taper ça. Et je vois Ronnie, il l'a trouvé du premier coup. Hein. Ah bah Mais faut ok. bien écrire le truc et voir même. Tu écris le nom de l'auteur. SS Blade 1914. Voilà. Et là, c'est un truc de fou là. Tout ce qui est proposé, c'est. Aïe aïe aïe. Vous avez même la fameuse couronne qu'on met, la couronne typique Scania qu'on met devant. Puis on peut écrire le logo, super justement.
Ah bah tu vois, je l'ai trouvé pour le truck et le trailer en fait. Il doit y avoir le truck, ouais. All All truck truck package. and trailer package download. End package, ouais. C'est bien, c'est pas pour ATS, hein, c'est bien pour ATS. Ouais. Bah, si ça arrive à avoir les deux en même temps, c'est génial. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir ça. Ça, c'est le workshop. Parce que là, tu vas tomber sur tous les modèles de cabine que tu dois connaître quand t'es, comme tu connais chez Scania. Tu sais, t'as les fameux toutes petites cabines, c'est les modèles P. Ouais. Les G, là ce sera le pour le BTP, je crois. Le R, plus classique. R, c'est généralement pour les moteurs sans le V8. Il n'y a pas de V8. C'est des 6 cylindres en ligne. Et là, le S, c'est dernière catégorie V8, quoi. Donc, en fonction, voilà. Il Tu manque auras les plus ou XT aussi. moins les. Ah, le XT. XT, ouais, non, il existe, mais dans un autre. Il est à part, le XT. Le XT, il sera pas dans les versions, tu vois. Il sera pas dans le Next Generation. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la dernière version. Il sera dans les camions qui ont, tu sais, tout l'arrondi, là. Ouais. Il sera dans ces modèles. Voilà, le modèle qui est là, par exemple. Arrondi là, les anciennes versions. Ah Parce ouais. que là, vous voyez, je fais aussi un mélange des deux là. De... Alors attends, faut Ça, voir c'est un. ce que ça a donné, moi, mon téléchargement. Téléchargement. C'est pareil, ça c'est très beau et c'est l'un 40. Si vous voulez avoir des. Ah merde, bon, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi il n'a pas fonctionné mon téléchargement? Ah ouais, bah c'est bizarre. Ça, c'est le pack de roues spécial avec par exemple chez Scania c'est des papillons. On peut avoir d'autres ça va sur tous les modèles de camions mais dire que la jante on peut la peindre différemment et elle peut avoir un écart comme aucun écart. Et pour Scania, je vois, c'est écrit King of the Road sur le bord. On peut avoir les écrous écrits Scania sur chaque écrou. Et avoir le fameux petit papillon là. Ou alors sur les autres marques, c'est autre chose, mais. Elles sont vraiment. Et par contre, il faut avoir Michelin. Ça, sinon. Sur les autres pneus, ça va peut-être pas s'adapter. Je sais que il y a Goodyear qui marche et Michelin. C'est-à-dire que bon bah il faut absolument le DLC Michelin et là vous aurez vraiment la totale de chez Total quoi. Et même comme j'ai actuellement donc là le ah zut faut que je confirme. Je vérifie très vite parce que justement, tant qu'à faire, voilà, un qui ne me posera plus de problème. Parce que Oh le merde. moindre point Oh, faut que je téléphone. Oh, d'exclamation. faut que je télécharge WinRAR. Putain, merde, ouais, je peux pas. Ah, pour faire le dézip. Ah bah oui.
Pour ça, Google, WinRAR, terminé. Ah bah c'est ce que je vais faire, allez hop, c'est parti. Moi, je trouve qu'il est bien le WinRAR parce que il est très facile à manier en fait. Il suffit d'orienter le. Il va demander ouvrir l'endroit, le chemin pour aller dans le dossier mode du jeu. Et après, tu fais extract here, extraire ici, boum. Et après, tu peux enlever le dossier WinRAR, tu peux le mettre à la corbeille. Tout sera installé et ce sera automatiquement, ça arrivera dans le jeu automatiquement. Mais c'est bien parce que ça vient apporter à chaque fois des petites modifs sur tous les camions. Voilà. Donc je vous montrerai un peu plus ce que ça donne réellement, alors les fameuses V8K là. Les jantes personnalisées. Ah, on est un Moi, il me manque. peu. C'est embêtant Attends, parce j'ai qu'on a un peu la WinRAR nuit. et j'ai. Cette zip. Brave Browser, c'est quoi ça, Brave Browser? Oh, ça c'est pas bon ça. C'est quelque chose. C'est une page qui s'est ouverte à côté, non? Non, c'est deux téléchargements, c'est deux points .exe en fait. Ouais J'ai bah WinRAR en point .exe, normal quoi. ouais mais faut ouvrir celui-là mais pas l'autre. Bah, je vais supprimer. L'autre c'est pas un fake mais quasiment quoi. Donc bon j'ai fini ma mission, bah je vais aller. On va passer la nuit, comme ça je vais pouvoir montrer les roues comment elles sont faites. Parce que là on voit pas grand chose, c'est la nuit, c'est pas joli joli, enfin. Pas joli, c'est qu'on verra rien du tout. Un petit Ouais, donc point t'as bien le garage. tuning old truck package que toi t'as Ouais. pas dans ton truc et moi j'ai le tuning pack trailer slot et les deux c'est des versions 1.43 et ben je vais mettre ces deux-là à la place de l'autre. Mais je crois que c'est juste que j'ai peut-être pas mis camion parce qu'en fait j'ai déjà tous les équipements phares et tout là et que les peintures j'y trouve en même temps mes peintures j'y trouve à moins que je l'ai mais qu'il soit caché aussi c'est possible. Ouais, bah, je vais les remettre. J'espère que ça va pas me faire bugger mon. Non, bah t'as très peu de. De toute façon, quand tu vas créer un jeu, tu le verras. Hein. Un camion, pardon, un jeu, n'importe quoi, moi. Moi que t'aies fait l'IUT de création de jeux informatique à la fac. Non, non, j'ai pas été jusqu'ici à l'école. Alors, attends, c'est dans. Hein, il est où maintenant moi mon jeu? Moi je suis paumé là-dedans. Document, Euro Truck Simulator, mode. Ces modes comme ça. Ah, ok d'accord, j'ai bien ces Alors deux-là. peut-être Ok une d'accord. fois ou deux, le WinRAR il va te demander le chemin et après bah, l'enregistrer, ce sera enregistré automatiquement. Tu auras bien juste à vérifier dans la petite barre de recherche au-dessus que ça aille bien au bon endroit, mais Ah. c'est automatique, il y va. Après, de toute façon, sinon, il n'y a rien de compliqué, il faut aller dans l'autre jeu ATS, quoi. C'est soit ETS, soit ATS, donc faut juste vérifier ça. Il n'ira Ah, pas j'ai dans pas ADS Farming ou moi. quoi que ce soit, donc il sera systématiquement, il ira dedans dans mode
Alors tu vas te dire c'est il y a des fois tu vas te dire c'est bizarre, il n'y a aucun fichier. Mon dossier mode est vide. Mais c'est normal. Si des fois il reconnaît pas du tout les autres. Il est invisible alors qu'ils sont bien présents. Ah ouais. Moi ça m'arrive souvent moi. Ouais, bah tout le temps, moi. Moi, tout ce qui est workshop, je les vois pas. Ah bah le workshop ça a rien à voir. Non, les mods que tu mets en plus qui viennent d'autres sites. Ah ouais, non, bah là, je les vois tous. Alors que tu me diras, j'en ai pas beaucoup. Ouais, on en voit tous, ça dépend de ce qu'on a écrit en bas, à côté de validation, de tous les fichiers ou pas. Donc c'est pour ça, il y a ça aussi. Parce que les fichiers peuvent varier, ça peut être des PNG, des JPEG, des machins. Et des fois, il y en a un que ça va être un JPEG, l'autre un PNG, tout ça. Il va dire, bah moi j'ai aucun PNG, donc je vois pas les autres. Donc ce qui va apparaître, voilà. Mais ça, c'est pas grave. Il n'y a rien à craindre. Le zip, il va apparaître. Après, il faut aller juste dézipper dans le dossier. Comme tout le monde fait. Bon. Et ben, on va aller faire dormir le coco là. On va se mettre en parallèle comme ça vite fait. Et après je dépasserai le camion pour vous montrer les roues. Ah, j'ai laissé la marche arrière. 8h17, ouais, c'est bon. Ah, j'ai trouvé ton mode là, ton skin combo. Ah oui. J'ai trouvé. Le CBRXX, ouais. Ouais, parce que le gars, il en fait. Il est facile à trouver celui-là. C'est pour ça que j'ai marqué dans le titre, pour les gens qui veulent l'avoir. C'est très simple. Je le trouve très beau, très simple, très. Rouge-blanc comme ça, c'est vraiment parfait. Après, c'est à vous de mettre les lumières qui vont avec. Moi, je fais bien attention à ce que toi, ce que toutes les lumières soient coordonnées en fait. Je vais le laisser tourner comme ça, on verra. Quoique ça a rien en fait. Donc les feux, on peut les éteindre, voilà. Vous voyez là. Ah, mais je suis pas dans le garage, je peux pas faire. Je peux pas zoomer plus là, mais si, il y a un moyen. L'appareil photo. Comment je fais pour voir mes tous mes modes du workshop sans ouvrir le jeu? Sur mon C'est-à-dire téléphone, ça? dans le dossier du jeu sur l'ordi. Non, ou dans Steam? Bah c'est chaque. On peut pas tous les voir, c'est un par un. En faisant le petit i, puis après en bas à gauche, tu vas voir le mode. Mais c'est tout. Tu peux pas tous les voir à part Workshop dans Steam. la grande fenêtre où c'est t'as tous tes modes qui sont mélangés. Tu vois s'il y a le petit carré workshop ou pas, mais sinon non, c'est impossible Ah non, t'es de. obligé d'ouvrir le jeu en fait. Ah oui. Ah putain. Ah oui, parce que c'est workshop. Ça, c'est. Ça n'a rien à voir avec les modes. Ils sont automatiquement mis dans le dossier. Ok. Sans passer par le dossier du jeu, quoi. Ils échappent à ce truc-là. Donc voilà. Et là, on peut voir. Moi, je trouve ça super beau, moi.
Donc moi j'ai choisi avec le petit décalage de jante, là vous voyez, il y a un petit rebord. Et on peut très bien ne pas le mettre, hein. La jante peut arriver là, à ras du pneu. Mais c'est plus joli la plupart des camions maintenant. Alors celui-ci, je vais pouvoir le désactiver, donc le trailer slot là. Et l'autre, c'était le comment? C'était le tuning all truck Truck, package. truck, ouais, truck package. Donc là, on voit, donc tous les écrous sont écrits Scania. Plus, on peut, ça se présente quand on fabrique la jante, vous avez votre rond. Je peux le montrer plus facilement. On va faire Attends, semblant laisse d'acheter un camion. Scania, tant qu'à faire. Parce que c'est typique, c'est plus facile pour voir. Je vais bien prendre les S, voilà. C'est pareil, moi il y a un truc que je voulais. Voilà. Alors, là, ça c'est la base. Il y a un truc que je voulais, France, Oui. c'était des piétons. Est-ce qu'il y a un mode pour mettre plus de piétons dans les villes? Plus, non. Parce qu'il y a bien une option dans le jeu où tu cliques sur Oui, piétons ou pas, on quoi. met les piétons, ouais, Mais comme j'ai sauf que fait moi. les piétons sont complètement inexistants dans les grandes villes. On en voit, mais il y en a très très peu, ouais. Ouais. Parce que c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu d'avoir des piétons. On est là pour conduire des camions. C'est la base du Ouais, mais jeu et voilà. pour moi, le but du jeu aussi, c'est de donner un petit peu plus de réalisme. Ni en voyant des personnes, ouais. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu. Depuis que je joue au jeu, j'ai jamais vu de piétons. Et je connais pas un seul modeur qui le fasse, quoi. On va peut-être pousser un peu la recherche, mais. Donc voilà. Alors, pour vous expliquer, la jante de base, le pneu de base, déjà, pas très joli parce que on voit que la jante vient même pas coller sur le pneu. Donc c'est dans l'accessoire, comme tout le monde connaît. Alors moi ça m'a un petit peu de temps. Quand même 71 modes. Donc déjà, première chose à faire. Et il y a cette DSC Michelin qui va faire que c'est la taille de pneus et tout ça. Là, ils ont sorti la dernière génération de pneus, voyez, ils se mettent à jour. Et ce pneu-là, 2020, il a la meilleure note. Je reviens, France. Donc, il a la meilleure note. Au niveau du carburant, il consommera beaucoup moins et au niveau sonore, enfin, la pluie, il sera très bon. Il a la meilleure note aussi sur la pluie. Heureux. Et puis donc le son, il fait très peu de son quoi en fait. On l'entend pratiquement pas. Et en plus de ça, on a une couleur qui vient s'appliquer. Pas blanc où ça vous marque tout le pneu, comment il est, sa taille et tout. Et en plus de ça, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, paf, en fonction de votre peinture de camion. Là, on a du gris par exemple, on pourrait mettre du gris. Mais bon, après, généralement, comme on change de peinture, on peut avec un tout le panel ou changer, hop, voilà quoi. Mais on vous propose déjà sur le pneu en lui-même de voir ce changement-là. Ça, c'est lié au DSC Michelin. Bon, il y a des Goodyear.
Pareil, je pense, oui, voilà, on peut appliquer carrément le noir. Très souvent, il y a du noir, mais il y en a, ils aiment bien mettre le blanc. Donc après, c'est surtout ce qui était le plus important, c'est ça. Donc on a les trois petits points pour ceux qui connaissent. Donc l'enjoliveur, il est là. C'est cette plaque-là avec écrit Scania. Donc lui, on l'enlève. Donc ça fait apparaître le moyeu derrière. C'est là où il y a la direction, pas tout l'engrenage. Je sais plus comment on appelle ça. C'est aussi les agriculteurs qui ont ça. Ces fameux. Les fameux, comment, les croisillons qui vont faire que ça tourne dans tous les sens, quoi. C'est un truc assez dingue que je trouve. Le gars qui a trouvé ça à l'époque, très fort. Et pour ça d'ailleurs qu'on peut faire un blocage de différentiel, que là tout va se mettre à tourner à la même vitesse. Voilà, bref. Les écrous. Donc le cache écrou. Donc c'est un cache qui va être appliqué sur cet écrou-là. Et donc là, le voilà, notre mode, il est là. Bon, très souvent, il y a ceux-là. Là, de plus en plus, on en voit, et c'est Ouais. quasiment la norme actuelle. Ils sont en couleur En jaune jaune, même. En jaune jaune. ou rouge, selon. Moi, j'en ai vu qu'en jaune. Ben nous, ça dépend à Dijon, il y en a, ils sont en jaune. Un coup, ils mettent jaune, un coup, ils mettent rouge. Je pense que ça doit être noté dans les carnets pour voir que ça a été changé. Mais sinon, il faut absolument à chaque fois que ce soit en face. Comme ça montre que le serrage des écrous est toujours bien fait identique partout. Ça évite que la jante commence à partir, quoi. Et qu'il y a un moment où le pneu, il s'en va, et que vous vous retrouvez sur le pare-choc et tout, sur la caisse, quoi. Tout simplement. Ça, c'est. Maintenant, c'est devenu, je crois, une norme pour les camions, quoi. Tout ce qui est poids lourd. Normalement, sur les voitures, on ne devrait pas avoir les écrous comme ça, mais. Malheureusement, dans les grands Midas, non, comment on appelle ça? Si, Midas, Speedy et tous ces trucs-là, ils vous mettent à la clé à choc, tac 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 tac, et puis terminé. Ce qui fait que, bah allez, malgré ça, ça fout en l'air, il n'y a pas d'autre mot. Ça vient foutre en l'air les pas de vis derrière. Donc là, normalement, un écrou se fait avec une clé dynamométrique. C'est-à-dire qu'on met telle pression sur tel écrou et on vient et tout d'un coup, la clé va faire clac. Ce qui fait que l'écrou, il est pile. C'est une clé où il y a, oui, il y a un, quand ça fait clac, c'est un, comment dire, un, ah, je l'avais il y a 2 secondes le mot, un patinage automatique en fait, ça va se décrocher, ce qui fait que la pression exercée est la bonne. Ce qui va pas venir démolir le filet en fait. Je l'ai retrouvé le nom du mode son de Scania en fait que tu avais tout à l'heure. C'est bien Max 2712 et c'est Scania Ça doit NG être. V8 Sound Mode. Ouais, ça doit être lui, ouais. Je l'ai pas en tête parce que là, je suis en train de montrer Attends, les. je reviens, on m'appelle sur une autre ligne. Allez. Je reviens. Donc là, pourquoi il m'applique pas les écrous? Je ne sais pas. Ah, parce que j'ai oublié. Eh oui, la première chose, c'est la jante, déjà, à faire. Voilà. Donc ça, vous avez toutes les jantes habituelles, hein, classiques. Et voilà, nos premières jantes. Voilà.
Donc, hop, vous avez des décalages plus ou moins forts et la peinture, le pardon. Voilà. Il y en a plein. Et là, ça, c'est le top du top parce que enfin, c'est le top du top. C'est si vous voulez vraiment tuner votre camion, vraiment un peu comme on vient faire du tuning de voiture, quoi. Généralement, on met toujours ça. Et là, en plus de ça, c'est une option pour carrément mettre la couleur sur toute la jante complète. Donc, admettons, le rouge est le plus visible. Paf! Vous avez comme ça, comme si ça devenait un cache et que votre jante était derrière, quoi. Un peu comme les voitures de base quand on achète des voitures sans des jantes avec des chromes et tout ça là. Des jantes en tôle. Et la plupart du temps, les constructeurs nous mettent un cache pour faire un semblant de rayon comme si on avait des belles roues quoi. Donc là en gros ce serait considéré comme la tôle plus un cache qu'on vous met. Mais là non, c'est réellement la vraie roue voilà. Donc on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut hein, évidemment c'est en fonction de votre couleur de carrosserie que vous allez le faire, ou alors vous allez mettre des extrêmes de couleurs, par exemple le gris, il faudra lui mettre un blanc, soit un blanc, soit un noir, voilà, une association noir-gris. Là, c'est plus uni, c'est moins opposé. Là, on va vers sur des couleurs unies, ou alors il faut mettre le total opposé, c'est-à-dire blanc et votre carrosserie en noir. Tout simplement. Là, ça fait ressortir tout de suite le contraste, et là, on voit votre camion, il est vraiment, il explose au niveau des yeux, il explose, c'est magnifique, quoi. Donc après, on a les écrous, donc là on avait déjà sélectionné auparavant le V8, voilà. Et donc on peut voir. Alors évidemment c'est un petit peu flou parce qu'on peut pas zoomer, pas vraiment zoomer, mais on peut voir que c'est écrit Scania sur tous les écrous. Mais c'est juste des caches. En fait, il y a les écrous classiques derrière et il y a des caches qui viennent, voyez, hop, se mettre par-dessus. Après, donc on a le moyeu et hop, tout de suite il va venir se mettre un cache en aluminium avec le logo de Scania et normalement, si je me trompe pas. Pourquoi il n'y a pas le petit. Ah, parce que la jante elle est pas pareille. Donc là, on n'aura pas le. On n'aura pas le papillon. Le papillon est sur un autre modèle. Le décal peintable. Voilà. Et voyez tout de suite. Donc vous avez un décalage qui est très important et ils ont rajouté une écriture de King of the Road et donc vous pouvez peindre votre jante. Cette fois-ci par contre ça va être beaucoup plus impressionnant. Rejiem, j'espère que tu as bien mangé. Alors qu'il est. Le café a dû traîner. Donc là, vous allez pouvoir venir mettre une peinture qui va faire des petits liserés. Comme ça, voilà. Donner un moyeu central, un cache de moyeu central complet.
Mais après, ce sera que des petits liserés comparés à l'autre, où carrément c'était toute la jante et par-dessus recouvert par tous les bâtons. Voilà. Mais ça, maintenant, la plupart des camions qui font qu'on voit sur l'autoroute, surtout, voilà, sur les autoroutes, ils ont ce type de jante qui fait rentrer le pneu à l'intérieur de la carrosserie pour toujours avoir le maximum de comment dire, le moins d'obstacles par rapport à l'air, puisque là, vous voyez, vous avez un mur complet, un mur qui vient s'entrechoquer avec l'air, c'est pour l'aérodynamique. Voilà. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a des trous là, tout le maximum qu'on puisse faire passer en air sur les côtés, au-dessus et tout ça. Il va y avoir. Voilà. Et ça en fait partie. On fait rentrer le pneu à l'intérieur. Et moins vous avez de décalage, plus le pneu il va ressortir. Alors là, on peut très bien. Vous voyez, les fameuses jantes comme ça, là. Là, elle est bien rentrée, mais celle de base est complètement. Bon, le pneu, évidemment, est Michelin. Si on met le pneu de base, vous voyez tout de suite, ça ressort beaucoup plus. Bon, mais en même temps, il est plus collé du tout, là. Donc c'est catastrophique, enfin c'est pas beau visuellement. Donc le pneu en premier, hop. On voit déjà en plus que l'écart là descend un peu. Le pneu est plus large. C'est même pas celui-là qu'il fallait que je mette, c'est celui-là. C'est juste pour avoir. Ça c'est un multi et on voit l'écran des pneus qui change aussi. Là c'est le énergie, c'est vraiment là. Pour la consommation, quoi. Parce qu'il a plus que des lignes et des tout petits crans pour écarter l'eau. Il va faire un écartement d'eau par l'arrière et très peu sur les côtés. Et après, donc, on vient mettre la jante. Vous voyez tout de suite, hop, la roue est rentrée à l'intérieur. Donc en fonction de ça, vous voyez, en fonction du modèle qu'on choisit, on peut très bien ne pas le faire écrire comme l'écrire et à partir du moment où là on est en 3, on aura le papillon qui va apparaître jusqu'à celle-ci qui est voilà, qui est proposée et qui est vraiment, je sais pas, moi je trouve ça magnifique. Par contre, vous n'avez pas le papillon. Il faut absolument que la jante soit rentrée pour que le papillon puisse être là avec la peinture. Et l'arrière, vous allez avoir une option. Voilà, c'est évidemment le camion de base, c'est un peu tout. Il n'y a rien dessus quoi. La jante, le pneu en premier, toujours le pneu en premier, s'il va donner le collage de la jante au pneu. Et donc le fameux équivalent de la peinture de l'autre avant. Sinon, on a celui-là. Sarantos, c'est un, comment dire, un modeur et un transporteur, je crois. Si je me trompe pas, c'est un transporteur particulier qui a que des camions tuning, à moins que, si vraiment je me trompe, c'est le modeur, le créateur de ces jantes-là. Peut-être, je sais plus. Enfin, tout du moins, il y a sa signature, donc je pense que c'est lui qui fait
Et Sarantos, c'est des gens bien particuliers. Mais ils doivent coûter une blinde, comme on dit. Donc là, on supprime la signature. Et là, pour se conformer à ce qui était devant, voilà, on vient mettre. Donc, les écrous, on écrit, pop, on le voit tout de suite, ça change. Voilà. Et là, là j'ai un trou par contre. Pourquoi? Ah non, c'est bon, non, c'est qu'il est noir. C'est que j'ai pas mis de peinture avec. Il faut que je mette toute la peinture. Voilà. Et ça, c'est noir, c'est normal. C'est un cône noir qui vient sortir. Et là, par contre, on retrouve là, c'est une roue avant. Puisque les roues directrices, c'est là. Donc, la jante. Alors, on a fait le pneu. La jante. C'est pareil, il y a toujours un ordre à suivre. La seule chose, c'est que là, il faut enlever absolument le cache. Sinon, on peut pas faire apparaître tout ce qui est derrière. Et hop. Là. Chaque fois vous sélectionnez. Et moi, bêtement, j'ai oublié une chose, c'est la peinture. Voilà. Et là, vous avez le même style puisque c'est une roue directionnelle, elle est toute seule. Bah, on la voit, elle est toute seule. Donc, elle sera identique à celui de l'avant. Et là, on a un jumelé. Voilà. Et comme quoi là on voit vraiment bien là les deux rainures de pneus et tout comment c'est fait. C'est comme là l'identique de la réalité. Moi bon, après à vous de. Vous avez des tonnes d'options hein, vous connaissez. En fonction de tout ce que vous allez y mettre. Hop. Vous rétrécissez. 6-2. Là, vous avez celui-là. Alors, c'est pareil. Il y en a un, vous allez avoir tout qui est proposé. Hop, ça vient coller. Par contre, si vous prenez le châssis en type 2, là, il y aura. Ah, si, pour une fois, c'est proposé là. Et voilà, il n'y aura pas le. Il faut le rajouter. Allez, voilà, il va vous manquer un bout ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'est. Par contre, c'est les modeurs là qui ont fait que. Voilà. Enfin, j'espère que j'ai pu vous informer là-dessus. Vous avez vu comment s'appellent les mods. Vous aurez plus qu'à faire des arrêts sur image pour les prendre. Notez le nom et puis vous allez chercher soit en workshop, soit tout bêtement sur Google, vous tapez puis ils vont vous proposer le site. Donc attention de ne pas vous faire avoir non plus. S'il y a des sites, au final, les fichiers, il n'y aura rien dedans. Ou alors, ça peut venir perturber complètement si c'est pas le bon auteur qui a fait le mode. Donc, il faudra bien regarder. Le nom qui est écrit que vous verrez si vous faites arrêt sur image, vous regarderez le nom que vous avez vu. Voilà. Et après, on arrive à obtenir ça. Quand on fait la totalité. Quoi d'autre comme information? Donc oui, là, il faudra absolument le DLC Michelin pour les pneus.
Et aussi, ce qui est très important, c'est le DLC Midnight Griffin pour les Scania. S'il va vous donner toutes les options là, toutes ces options là en plus, avec les fameux lignes chromées ou autres, tout ça. Ça, il faut l'avoir absolument pour avoir plus d'options, mais il y a des fois où votre Scania, vous n'allez pas pouvoir le faire. Le jeu va crasher, ça va vous énerver au bout d'un moment, parce que vous êtes obligé de recommencer 10 fois et ça passe pas. Mais il faut absolument, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que là, il est en plastique alors que j'aurais dû le mettre en peinture. C'est pas très bien. Là, c'est ma caméra. Ouais, il y a un petit bout qui ressort comme ça. Voilà. Et après, tout le reste, bah, c'est du mode, hein. Mais voilà, le Midnight Griffin, il est là, hein. Vous avez ça, vous avez le V8 là. De toute façon, il y a des fois où il vous sera demandé absolument voilà, pareil, là aussi, tout ce qui est jupe latérale, vous l'aurez que si vous avez les options Midnight Griffin. Mais il est très intéressant, même si, bon, là maintenant, je pense que maintenant, on peut le trouver à pas trop cher sur Instant Gaming ou sur comme ça. Donc après, vous n'avez plus qu'à rentrer la clé. Voilà. Moi après personnellement, je remercie la personne qui me l'a offert. Si je me trompe pas, c'est un ancien collègue, Dom Doc, voilà, qui fait toujours des lives mais sur un autre jeu, sur des jeux de bateau, le Warship, quelque chose comme ça. Voilà. Et le Michelin, le DLC Michelin, je crois que ça doit être pareil, un collègue ami qui s'appelle Polar, je crois. Tout simplement. Pour qui je roule en même temps. Pour. Oh là là, qu'est-ce que la musique là? On arrive au bout de la musique, mais je viens de m'apercevoir aussi que. Ça, c'est de la musique copyright. Et vaut mieux pas que ça passe, sinon. Sinon, vous n'aurez pas de. Le son va être coupé. Bien dommage, parce que c'est une DJ que j'adore. J'ai dû finir la liste. Ah ouais. Il n'y avait que 31 titres. 16h02. Ah bah, voilà pourquoi. Est-ce que j'ai fini? Je suis arrivé au bout de l'heure du live. Ça passe, le temps passe trop vite. C'était de 14 à 16h, j'ai fait 16h02. C'est pas la mort. Le principal, c'est que je puisse vous donner, vous faire partager toutes ces informations aussi. On roule, mais en même temps, si vous êtes intéressé justement de vous montrer toutes les possibilités de mode et qui fonctionne à 100%. Par contre, bien respecter l'ordre que j'ai donné dans des anciens lives, qui est de mettre en fait tout bêtement les maps, tout ce que vous avez en map en bas. Après, vous mettez tout ce qui est de l'entourage, c'est-à-dire trafic et autres, les voitures, les camions, tout ça, tout ce qui va rouler autour de vous en deuxième. Après, au-dessus, vous mettez les camions, les Refrain de sang. re. Donc, je vais finir les. Donc, les camions. Après, vous mettez au-dessus les remorques. Et ensuite. Il y aura les options, au pire vous mettez des options, s'il y a des options moteur, son de moteur, vous les mettez juste au-dessus. Et ensuite là vous allez mettre tout le reste,
c'est-à-dire les peintures de vos camions et après tout ce qui est lumière, tout ce qui va concerner les lumières. Il faut absolument respecter cet ordre-là, sinon votre jeu va crasher à coup sûr. À 100%, ça crache tout le temps. Puisque c'est un système Photoshop. On met des calques sur des calques sur des calques sur des calques. Tout simplement. Donc voilà. Et aussi, par contre, vous voyez, j'ai 71 modes. Et pour ça, il va falloir la connexion, c'est pas grave, vous jouez en solo, votre connexion internet, c'est pas un problème. Vous allez avoir un peu plus de mal pour télécharger les modes, c'est un peu plus long en fonction du poids du mode. Mais aussi, le jeu pour jouer, plus votre dossier de mode va être lourd en giga, plus votre processeur, vos barrettes de RAM et votre carte graphique vont se mettre à chauffer très fort. Surtout la carte graphique, puisque elle est là pour gérer tout l'environnement. Tout ce que vous voyez, votre camion en lui-même à l'intérieur quand vous conduisez, et tout l'environnement de votre map qui apparaît, autant dans le rétro pour l'arrière que pour ce que vous avez devant vous. Là, la carte graphique, elle va jongler. Si vous n'avez pas un minimum par rapport au nombre de modes que vous avez au niveau du poids de votre dossier de mode, je peux vous dire que vous allez atteindre des températures assez affolantes. Et surtout, une carte graphique n'atteignez jamais, ne dépassez pas les 100 degrés. Sinon, vous pourrez la mettre à la poubelle. Elle sera cramée. Terminé. À moins que vous mettiez un ventilo dessus, éventuellement, des ventilos supplémentaires par-dessus. Mais même moi, là, vous voyez, le jeu, là, il est juste rétréci au niveau de la page. Mais je suis quand même, j'ai quand même une RTX en 2080. TI et tout le blabla, enfin gaming, overclock automatique. J'ai trois ventilos qui sont dessus. Et elle fait 11 gigas. Je suis à 54 degrés. Donc, ce qui est l'idéal. Mais du 8 gigas, par exemple, mon dossier de mode au total de tout ce que je vous ai montré fait à peu près 15,2 gigas, si je me trompe pas. Et là, avec 11 gigas, déjà il y a des fois, ça peut monter à 72 degrés. Donc là, il va falloir rajouter du ventilo à fond. Vous mettez, comme moi, j'ai un logiciel que je peux mettre en turbo et qui va faire que tous les ventilos que j'ai dans mon boîtier vont se mettre à tourner au maximum de leur vitesse pour venir refroidir tout le reste. Voilà. Mais sinon, vous êtes à coup sûr que il faudra vraiment regarder votre température, sinon vous pouvez griller tout votre ordinateur en très peu de temps, quoi. Voilà, c'est le dernier conseil que je peux vous faire partager. Surtout pour des camions comme celui-là, par exemple, où ça demande énormément de puissance, parce qu'il y a des lumières dans tous les sens, il y a plein d'options, donc ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. Sur ce, bah, on est arrivé au bout du live, hein. Donc bah, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes. Merci Chris. Merci De rien. JMG, le modo de la chaîne. Et puis, bah, éventuellement, les personnes qui vont regarder le live après, si vous n'avez pas eu la chance d'être présent. Et n'oubliez pas que maintenant, je rebascule aussi le live. Je vous le mets sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Vous avez
Vous avez l'adresse au début et à la fin. Voilà. Vous n'avez plus qu'après à retaper, faire un copier-coller ou retaper. Et puis voilà, vous allez tomber dessus. Et je vais tâcher cette fois de garder, en espérant garder la qualité d'image. Parce que là, si je suis pas en 1080, vous n'allez jamais regarder parce que ça va être complètement flou. Et je peux comprendre que vous n'allez pas aimer du tout. Voilà. Bon, et ben, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, je vous dis à demain, même heure, 14h, mais pour farming. Voilà. Allez, sur ce, bye bye, ciao et à demain.